Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Total War Warhammer 2 avec toujours Exotl. Donc on s'est pris un débarquement de la bande du serpent, c'est sûrement une forte intervention. Et on va donc décharger notre armée sur Odin. C'est une blague. Regardez-moi ça là, résolution auto. On les bouffe, on mange. Ouais, voilà, cette bande, ils sont venus les gars, ils sont venus et sont repartis. Dans cette tour, le tour est fini et eux... Tiens, niveau 3. Bon, on va passer à la forteresse niveau 3. Donc, je continue, hein, je veux dire, je me fais plus de 6000 de thunes par tour. On va très vite... Nagaron, ah, il a attaqué dans son escarpelle à tous les coups. Bah oui. Morati. Et de toute façon, le temps qu'elles viennent, bah. Elles sont tout le temps en galère entre les noyés et le club plaisir. Ça passe leur temps à se taper dessus. Du coup, je suis tranquille pour ce petit moment-là. Les flibustiers, que font-ils? Toujours pareil. Le yo-yo. Je vais finir par avoir plus rien à faire avec ces mecs. On dévalise. La quai du chaos. Ah! Les piliers des constellations. J'aurais dû ramener une armée ici au plus vite, hein, j'ai été con. En plus, ils sont des maudits scavens avec leur cloche à la noix. Comment paraît qu'ils vont me ravager ma ville? Pile que ça se cloche caché, c'est une 3, 4, 5, 6, 7. 7 régiments, elle est à combien à tous les coups? 18. Ah mais il y a ça aussi, 3, 4, 5, 6. Je vais pas regarder justement ici la garnison précisément cette colonie. 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13 régiments. 13 régiments de garnison contre 17. Ils peuvent pas interagir tout de suite. Hein. Un petit tour de répit. Plus je construis, plus j'ai de parchemin, enfin de plaques. Le gros avantage, c'est que ben, je sais en tout cas que je suis le premier en termes de mise en place de rituel. Parce qu'il n'y en a aucun qui a commencé son troisième rituel, à part moi. Que Tlaxtlan je le fasse venir dans la confédération, ce serait vital. Oh, ils ont cette merde, j'ai oublié d'aller là. Il y a deux armées. Bon, capule de la peste. Très division. Pourquoi hors de la colonie? Il y a des murs, merde! Il y a des murs dans la colonie, pourquoi est-ce que ce sera en dehors?
Je comprends pas pourquoi je fais chier à construire des murs dans cette ville de merde pour que je sois justement hors de la colonie. Je veux que ce soit dedans, c'est logique, non? Donc le clan à connard, là, ils vont tout ravager. Et en plus, je suis quoi? Je suis en pleine... Je suis en plein territoire découvert, hein. Je pourrais pas avoir un bonus du genre, bah, un morceau de falaise, un truc comme ça. Non. Je veux dire, c'est tellement con de construire une ville sur une falaise, ou justement, bah, avec des promontoires rocheux pour se protéger. Et eux, ils ont quoi? Ils ont cette route-là. Ils ont des morceaux parfaits pour pouvoir se protéger. Et surtout, ils ont cette maudite prophète gris, ils ont des maudites capsules de la peste. Et c'est quoi à faire? Ils sont tous là? Envoyez de flanc! Hop, regardez, hop. Voilà. Alors les skinks. Première chose à faire, avancez par là. Vous, également avancez par là. Et vous, bah, vous allez faire, c'est quoi, un petit rush sur la catapulte de la peste, hein. L'idée, ce sera de frapper les maudits catapultes avant qu'ils puissent faire les dégâts ennemis cachés. Ça prend vraiment de la part de ces abominations souterraines. Dégagez, restez pas ici! Les rocs se font massacrer, c'est une bonne nouvelle pour moi. Attaquez-moi les serviteurs des catapultes, mon dieu. C'est pas débile. Putain, ces merdes là qui continuent à tirer, fait chier. Bon, les montants de Terradon, là, vous me faites des catapultes ou merde? Mais c'est juste quelques connards serviteurs, ça devrait pouvoir se tuer très facilement, ça. On va se faire ouvrir en deux. C'est merde. Et là, cette abomination là. Prophète gris là du diable. Tout le monde se rend. Maintenant, qu'est-ce qu'on fasse? Vous avez vu la... Le nombre, c'est deux fois plus nombreux, les merdes là! Surtout que l'on me dit catapulte de la peste. Ah, j'aurais eu un Bastilodon, ça aurait été un autre. Une autre chanson, je peux vous l'assurer.
problème, c'est que mon armée, elle est trop loin. Et comme je voulais, j'étais très con de vouloir chercher du bif pour 1000 balles de merde à chaque fois, bah, combien ça va me coûter la reconstruction de cette putain de ville? Ceux qui vont sur l'éternité maintenant. Et que c'est pas comme si je voulais déplacer l'armée ici parce que elle se prend un assaut. Donc ils vont me ravager la gueule, ces enfoirés. Je vais perdre une deuxième province. Ah. Cognera ces bandes de salauds. Enfin, une chose, non, pas diplomatie. Les vassals de Esprit de la Jungle. Mais ils existent toujours, Esprit de la Jungle? C'est juste une horde. Je vais faire un truc là. Bon, tant pis, on attendra ça plus tard. L'éveillé, c'est qui l'éveillé? Ah ouais, c'est magique qu'il y a trois provinces là, ok. Ah, c'est magique que c'est toute la côte, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Ils veulent que je joigne leur guerre contre ces connards là. Oh, c'est quoi? J'attends que d'avoir fini la question des Skaven et du chaos. Et une fois que c'est fait, on s'occupera de rejoindre des guerres et de former des confédérations, d'accord? Pour l'instant, on stabilise le pays. Nagaron. Ah, il arrive. Il est mignon, Malekith. Thor Harkon. C'est le mec qui est entre les deux, d'accord. Le roi des Jutis, on sait bien que la priorité c'est le roi des Jutis, on n'est pas idiot. Mais deux, c'est qu'ils vont même pas eux-mêmes chercher les trésors. Sous l'éternité, ils vont ravager notre ville, à tous les coups, c'est ce fumier. Bon, quand le clan Skaven, si j'ai massacre, je pourrais peut-être sauver les sources d'éternité. Si, j'ai bien dit si, hein. Oh putain, il y a une grain de carmin aussi. Ah! Les fous de mes skinks mettent en lumière un minerai antique. Non, on va se débarrasser de la malpierre. J'ai bien compris ce que c'est la malpierre, hein, les machins là. Du coup. Ici, on va au pilier concession cachée.
Et là, ce qu'on va faire, c'est que l'armée qui se trouve ici, Mergex, ramène-toi vers le sud. Je vais recruter quelques troupes. Et ici la Spectazuma. On va faire ça automatique parce que franchement. On va les bouffer. On va se grouiller vers la villa au sud. En fait, et toi là? Rochelle disponible, on va prendre quoi? Entretien moins 10%. J'ai énormément de Saurus et de Skink, ce sera la priorité. Les corruptions baissent. Ah non, comme ça augmente, comment ça se fait? À cause d'une merde qui s'y trouve, évidemment. Allez, ces conneries là. La quai du chaos. Plan scavain inconnu. Pourquoi ils m'ont dit de se faire chier là-haut? À ce que c'est la frontière nord. Donc si Malekith a rappelé que ce sera... Oh oh. Bah voilà, Malekith s'est installé ici. Ça donne un prétexte pour aller là-haut, donc, et lui mettre sur la gueule, tout simplement. On va aller chez Malekith. Le roi Casbah là. Tlaxlan, ce serait une priorité à obtenir. Parce que si je modifie ce clan là, c'est-à-dire que j'ai toute la région là au nord à reconquérir et à sécuriser. Défaite décisive, voilà. Honnêtement, c'était à prévoir. Ils ont tout rasé, les bâtards, et ils partent vers le sud. Ça m'intéresse. Interception souterraine. Oui, je t'intercepte. Et on vous bouffe. Clan Spitel et clan Scamin connu sont anéantis, parfait. Que tempête, ben. Ah non, non, merde, putain, parce que je voulais faire une chose, je voulais bouger Masamundi. Oh bah tiens, il part en mer. Je vais l'intercepter, Pas si loin, connard! Quoi tout, j'intercepte si tu te barres aussi loin, tour du cul? L'éveillé, c'est quoi cette abomination vampire? Bill drapeau en berne. Luthor Arcane. Un tourmenteur. Par contre, c'est vampire qui possède le nord des jungles, ça commence à être un peu de flippant. Roi Kabash.
Voilà, casse-balle, il va arrêter de nous foutre de nous faire chier. La quai du chaos, on sait quoi faire. On va foutre le camp. Bastion des eaux est détruit, le seigneur Croak s'est réveillé. C'est une mission. Rite de l'éveil, faire 500 prisonniers de bataille. Bon, on va se faire arrêter. Je vais raser la ville. Qui est baissé, c'est une bonne nouvelle. Je sais même pas où ils vont ces glandules-là. Azamundi, on va le mettre où? Je suis d'ici, ça me plaît, ça. Alors lui, là, il va vouloir à tous les coups dévaster. Pourquoi pas? Les nains déchirent de sauter avec les nains, ils sont ici. On va être honnête. Je vais pas dévaster les nains. Les nains, c'est la montagne, c'est les provinces de montagne ici. Bon, là, c'est acceptable. À la limite, on pourrait unifier le continent, hein. On pourrait massacrer les saloperies qui s'y trouvent. Nagarand. Je vais faire un petit rush sur Solfareth. Il va faire une drôle de surprise. Il va faire une drôle de surprise. Il va faire un peu la gueule aussi, je pense. Il va au mouillement du soleil à tous les coups. Ou alors, il va continuer au sud pour m'attaquer au sud et me faire chier. Voilà, tu vas au pays titan. Bouge pas, je vais te libérer sous le pharette. Ça va te plaire, ma chérie. Exilé de Nehek. Toujours la même. Après, depuis que je les ai exterminés une première fois, ils sont réinstallés. Et ils ont plus fait chier. C'est-à-dire qu'ils ont plus fait de. Déclaration de guerre et continue de garder l'accord commercial. Pire. On était de se foutre sur la gueule avec ces cons. Pire, ils m'ont emmerdé une fois, d'accord, ils l'ont payé cher. S'ils se calment. Toi, tu vas où? Tu vas vers le sud. Suis la route, il va aller vers les piliers. Faire des gros dessins. Le clan mort fait un petit rituel. Alors déjà, gérons la question du nord. Mazamundi est collé de l'usure. Sulfarets. Mais alors Malekith. Très bien, très bien. Oh. Après, il n'y a plus personne d'autre qui me fait la guerre. À part les elfes noirs. Si, c'est vrai qu'il y a cette armée de flibustiers. On va être tranquille un peu, hein.
Alors, Exoat, qu'est-ce que je peux construire? Mais tiens. Le jeu antique plus 12 d'argent généré. Et les dragons. Mais c'est quand même bien d'avoir les troupes de base, hein. Les piliers qu'on sait se cacher. Et nous ici, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un petit peu de rush sur... Intégrité, moins 3%, 70%. Ah. Pourquoi je pense que j'ai trop autour d'avant moi? Bon, c'est pas grave. Allez! Sinon, le rituel va être terminé en plus. Nagaron. Ah! Il y a bon vers le nord! Je pense qu'il a réalisé en fait que j'ai pillé sa ville. Du coup, ben. Il fait la gueule. Ou alors il va attaquer les portes écroulées. Quelque chose me dit qu'il va attaquer les portes écroulées en fait. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Par contre, tes provinces à toi. Les provinces de ce Gugus là. Les provinces de mon allié, elles sont pourries, hein. Il y a la corruption de vampirique partout. Il va vraiment falloir raser toutes ces merdes, hein, vampires. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, je vais t'en garder contre les vampires, c'est pas grave. Premier cas, ils me foutent la paix et c'est des alliés qui trinquent, je ferai la paix. Deuxième cas, ils viennent m'emmerder, du coup, ben. Je vais me les gérer. Mais bon, pour l'instant, j'ai plus urgent que ça. J'ai cette bataille-là qui m'attend et j'en ferai une autre fois. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut tout le monde.